bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec les Sims et comme vous pouvez le constater, on est dans la famille de Séverine. Séverine qui, je ne sais pour quelle raison, est montée sur le plan de travail. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Mais voilà, Séverine est montée sur le plan de travail. J'en peux plus. Vous avez pu voir juste avant, j'ai fait une maison un peu rapidement. Une maison pour la famille de Séverine, voilà. Donc la maison de Séverine, elle est plus du tout adaptée. En plus, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans cette maison. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va reprendre une nouvelle maison. J'ai pris également deux kits, le kit bambin et le kit paranormal. Donc du coup, voilà, il va peut-être y avoir des fantômes, des choses comme ça. Le kit bambin, il y a plusieurs petites coiffures différentes, des petits habits différents. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le prendre parce que comme on fait le 100 bébés challenge, bah, après tout, ce serait bien utile. Donc là, on va prendre Séverine et Kevin qui nous fait son regard dragueur. On va prendre Séverine et on va la faire téléphoner pour déménager et on va aller s'installer dans cette maison. Alors, on va déménager le foyer. Hop, on va voir ce que Séverine peut nous faire puisque... Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? My God! Qu'est-ce que c'est que tout ça? On a l'impression qu'ils sont tous keblos. Non, ça y est, c'est bon, ils reprennent tous leur vie, à part Séverine qui est toujours debout sur plan de travail, les gars. Voilà, voilà, donc on va faire un petit tour du propriétaire. Alors oui, cette maison aime les cochons, je ne sais pour quelle raison, mais il y a beaucoup de cochons. Alors, la porte d'entrée doit être par ici. Donc, cette maison se présente comme ceci. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Alors ici, il y a encore une grande place, il va falloir qu'on fasse peut-être une salle à manger. J'ai vraiment fait ce qui était principal. Ici, on a le petit salon, qui est plutôt grand d'ailleurs, avec un grand canapé d'angle. Ici, une petite pièce pour danser. Ici, on a la salle de bain pour les ados. Une petite salle de sport. Ensuite, ici, on a la cuisine. Voilà, parce qu'après le sport, on a faim. Ici, on arrive dans la chambre de Séverine et Kevin. Donc là, voilà, ils ont une chambre avec un grand dressing et leur salle de bain privée, puisque bien sûr, c'est chez eux. Encore des petits cochons. Ici, on a un jacuzzi. Je ne sais pas si on peut y accéder. Donc, du coup, je l'ai laissé quand même pour voir. Et ici, on a la pièce à linge avec la boîte aux lettres qu'on va aller déplacer de suite, les gars. Voilà, on a remis la boîte aux lettres. On continue le petit tour. Donc, voilà. Ici, on a donc une petite salle de bain avec le coin pour le linge. Voilà, voilà. Ensuite, si on descend au sous-sol... Au sous-sol, j'ai fait une pièce dédiée aux enfants et aux bambins. Donc là, c'est le coin des bambins. Hop, voilà, il y a plein de jouets. La piscine à boules, elle est nouvelle, du coup. Et là, c'est le coin des enfants. Voilà. Avec leur salle de bain privée. Ok, donc ici, c'est le coin, voilà, que pour les enfants. Et j'ai même mis un frigo et des chaises comme ça. La nounou, elle pourra, en fait, élire domicile juste ici. On va peut-être prendre un homme à tout faire, un domestique. Je crois qu'on les appelle les domestiques, hein. C'est pas vulgaire. Je crois que ça s'appelle, il s'appelle comme ça. Peut-être qu'on l'installera, je sais pas trop où, on va voir. Mais on va lui faire une petite chambre, je pense, et peut-être ici, tiens donc. Ah ben non, ça a un accès à la chambre de Séverine et Kevin. Enfin bref, on va lui faire une petite chambre comme ça, il pourra être tout le temps ici pour garder la maison propre. Et ici, c'est le coin des ados. Donc voilà, pour l'instant, Nezuko Pounette, hein, mais bien sûr, quand elles partiront, ce sera pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai mis trois lits, j'ai mis un petit coin salon, un petit coin bureau pour travailler. Enfin bref, elles ont tout ce qu'il faut. Donc voilà, oui, j'ai mis des chaussures parce que pour l'instant, c'est des filles. Donc je pense que là, pour le coup, on est plutôt pas trop mal dans cette maison. Il y a de la place pour tout le monde, donc on devrait être plutôt bien. Donc là, il serait peut-être judicieux... ah, on a déjà la nounou. Voilà, on va prendre quand même un monsieur là. Donc, Nezuko et Pounette partent à l'école. Là, on a cette petite fille qui part se coucher. C'est très bien. Cette petite fille qui va arrêter de jouer et qui va aller du coup se coucher. C'est l'anniversaire de Juliette. Ok, alors Kevin, tu vas préparer le petit gâteau de Juliette. Alors, Pounette est de retour de l'école. Elle fait partie des meilleurs élèves de l'établissement. Bravo Pounette. Nezuko a terminé l'école pour la journée B. Pour la journée B n'est pas une mauvaise note, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de faire mieux. Nezuko, il faut travailler un peu plus.
Ça y est, la petite fête son anniversaire et nous avons une nouvelle qui a grandi. Alors, on va dire que c'est un petit génie, tiens donc, j'ai bien envie. Hop, petit génie. Et maintenant, elle peut se débrouiller toute seule, on est content. Bon alors, par contre, elle est où celle-ci? Voilà, Juliette, il faut aller faire dodo. Voilà, maintenant elle se débrouille toute seule. Donc ça fait une de moins. Nezuko, elle va pouvoir faire ses devoirs. Hop. Alors ensuite, cet enfant dort, mais a aussi envie de faire pipi et a faim. Mais maintenant, elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. Ensuite, on a celle-ci qui ne veut pas dormir, mais qui sent vraiment très mauvais. On a celui-ci qui dort, mais qui sent vraiment très mauvais lui aussi. Et celle-ci qui ne dort pas encore. Ok, alors Kevin. Hop, on va réveiller cet enfant et on va donner un bain à Justin. Hop, cet enfant a faim, la nounou s'en occupe. Mais il n'a pas pris son bain? Je comprends plus rien, moi. C'est une catastrophe. Pounette et Nezuko vont bientôt partir. Juliette, elle avait des devoirs, les gars. Non, mais il va prendre encore une journée de congé. Kevin, est-ce que tu pourrais donner un bain à cet enfant? Pounette part à l'école. Eh, mais les ados, c'est génial. Elle s'occupe trop bien. Ah bon, Nezuko a envie de faire pipi et a faim, mais ça, ils peuvent le faire à l'école. La nounou est en train de se mater un film à la télé, les gars. On a une nounou qui en a absolument rien à faire et un gosse qui court partout. Ah si, ça y est, il veut manger là. Et le petit, il est toujours en rouge, en fait, peu importe ce qu'on fait. C'est une catastrophe! Le petit est keblo, les gars! Ah si, ça monte un peu. Pounette est de retour à l'école. Elle fait partie des meilleurs élèves de l'établissement. Bravo encore une fois à Pounette. B pour Nezuko. Elle n'a pas de quoi être fière. Son travail est toujours satisfaisant. Ok, par contre, la dernière, c'est pas ouf, hein. Oh my god! Qu'est-ce qui s'est passé? La petite, elle avait pas de corps, les gars! Il y a un monstre sous le lit de la petite, c'est normal? Ok, la petite est en train de crier sur le monstre. Non, elle va réveiller Séverine. Ok, elle a trop peur. Ok, Pounette et Nezuko et Juliette vont bientôt aller en cours. Mais Nezuko n'a pas fait ses devoirs, les gars. Elle est en train de les faire là. On espère qu'elle va avoir le temps de les faire avant d'aller à l'école. Ouais, Nezuko a fini ses devoirs avant d'aller à l'école. Tout va bien se passer. Fantastique, Pounette va pouvoir bien profiter de son week-end en sachant qu'elle fait partie des meilleurs élèves de l'établissement lycée de Copperdale. Elle pourrait peut-être passer un moment à faire des devoirs permettant d'améliorer encore plus ses notes, juste au cas où. Les notes sont en hausse. Nezuko a travaillé dur et est désormais une lycéenne ayant un A de moyenne. Bravo, Nezuko. C'est le week-end. Juliette termine sa session avec une moyenne de C à l'école. Est-ce vraiment satisfaisant? Ok, donc on a Pounette, meilleure élève de la classe. Nezuko qui commence à remonter et à avoir de très bonnes notes. Et on finit avec la petite Juliette qui, par contre, elle, c'est pas encore ouf ouf tout ça. Nezuko est partie travailler. Ok. Pounette fait ses devoirs. Séverine donne le bain au petit. Ça y est, il est enfin en vert. Kevin est parti se coucher. Ok, Séverine s'occupe seule de ses enfants. Le premier enfant est enfin en vert, on est content. Le deuxième, il n'y aura plus que le divertissement, il pourra aller jouer dans la piscine à balles après. Et la dernière a faim. Bon, elle dort, ceci dit, donc... Bon, Séverine, c'est une mère parfaite, les gars. Hein. Elle a tout géré, les enfants vont mieux. On s'en sort bien. Oui, la petite va aller jouer dans sa piscine à balles. Bon, celle-ci a faim, ceci dit, Séverine. Hop. Donne à manger à Julie, Séverine. Ça peut être utile, cet enfant meurt de faim.
Désolée, Séverine, tu es la seule qui gère. Et ensuite, on pourrait donner à manger au petit Justin. Nezuko a gagné encore de l'argent, mais Nezuko, elle est KO, les gars. Faut aller dormir, ma petite Nezuko. Kevin, il est réveillé. Séverine, il faut aller se coucher. Mais la nounou, elle n'a pas laissé manger l'enfant? Ok, et il est enfin en vert. Celle-ci, ça passe. Et celle-ci, bon, c'est pas ouf, mais ça passe. On s'améliore! Bon, on va s'arrêter là dans cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et me suivre aussi sur tous mes autres petits réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous de mon avatar ou en description. Moi, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!